exercice de base pour le dos, au même titre que le soulevé de terre et les tractions, l'exercice du tirage horizontal à la barre. C'est un exercice donc très intéressant. Différentes possibilités et variations, notamment au niveau de la largeur de la barre, qui vont influencer le travail et le développement prioritaire de telle ou telle portion. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Notre variante de base sera d'avoir ici une prise large en pronation. On vient pencher le buste vers l'avant, les genoux légèrement pliés, et on vient tirer verticalement la barre entre le pubis et le nombril. Le dos reste ici parfaitement droit. Plus on amènera la barre haute, proche du sternum, plus on viendra travailler les fibres hautes au niveau du grand dorsal et les fixateurs d'omoplate. Deuxième variante, la barre prise en supination avec une prise plus serrée, largeur des épaules. La réalisation du mouvement, elle, reste la même. On cherche ici à bien tirer les coudes vers l'arrière tout en les gardant le plus proche possible de l'axe du corps. La position en supination et mains plus serrées offre un travail également beaucoup plus important au niveau du biceps et sur les fibres internes du grand dorsal. Une variante pourrait être d'effectuer l'exercice ici avec une prise serrée. La barre est donc coincée en arrière. Prise serrée ou prise des mains en position marteau, en crochetant les doigts les uns aux autres. Buste penché de la même façon et on vient tirer. C'est une variante aussi à la machine T-bar avec appui ventral. L'appui ventral soulageant le travail de la zone des paravertébraux. Coude bien le long du corps et je cherche à monter les coudes bien en arrière en cherchant à rapprocher les omoplates. Prudence sur ces exercices qui nécessitent un placement du dos parfait pour éviter le risque de blessure, notamment au niveau de la zone lombaire.